Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etretat sur la chaîne avec l'architecture unique et nous retrouvons aujourd'hui sur un pont que je vous avais montré lors de la visite de la ville de New Asia. Et on se retrouve pour la 11e maison des abonnés, celle de Azunoir. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer des petites choses de la ville et ensuite on ira visiter la maison de l'ami Azunoir. Alors Azunoir, cette semaine il est full vidéo sur la chaîne puisqu'on a fait une vidéo de visite avec lui pas plus tard que dimanche. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans la ville de New Asia? Pour le moment, les seules choses que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé les routes tout simplement parce qu'il faut penser à agrandir un petit peu la ville, sinon elle va se manger. Donc c'est pas grave qu'elle soit peut-être un petit peu trop grande. Le tout, c'est d'avoir de la place pour les projets. Ici, je ne sais pas si Blind Destroyer regarde les vidéos, mais il m'a préparé 3 maisons. En fait, il a participé, il a fait une maison pour le concours, et il est tombé complètement amoureux de cette manière de faire, et du coup, il m'a créé 3 autres maisons. Donc j'ai pu les visiter, c'est sur le serveur du FLAC public, et entre-temps, il n'aura plus qu'à me les envoyer et j'ai déjà fait les parcelles. Donc ce que vous voyez là, c'est que j'ai commencé à faire une grande avenue qui va venir ici, sur cette péninsule. Vous vous rappelez qu'en face du quartier des abonnés, il y a une plage. Donc cette avenue va m'aider en fait à venir construire cette plage juste en face du quartier des abonnés. Donc voilà à peu près pour les changements de la ville de New Asia. Pendant que le quartier des abonnés se charge devant vos yeux ébahis, nous allons nous diriger vers la maison de l'Azunoir. Je voulais vous faire une petite remarque. Je ne sais pas s'il y a des viewers qui s'en sont aperçus, mais en fait, cette partie-là du quartier des abonnés, il y a une vraie skyline, c'est-à-dire qu'il y a une ligne d'horizon sur les constructions. C'est assez fou, dans le sens où ça, on va dire que ça fait un V avec une branche qui a une pente qui est moins prononcée que l'autre. Donc on a la maison, je suis en train de vous montrer du doigt sur mon écran d'ordinateur, c'est bien pratique. Il y a la maison de lieutenant 27 qui représente le pont en bas. Et on a la maison de Blink, et ensuite, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est Askai qui m'a envoyé une maison aussi la dernière, qui font 2 points hauts. Et c'est assez intéressant, ça fait comme une vague, ça fait très cohérent, on dirait que ça a été planifié de très longue date. Donc félicitations aux abonnés qui ont fait ça malgré eux. Voilà. Donc on va visiter la maison de Azunoir. Donc la maison de Azunoir, je vous mettrai dans la description, Azunoir sur sa chaîne a déjà fait une visite, sauf que là on va faire une visite à ma façon. Déjà, première chose, un petit fly around. Donc on peut voir que c'est une maison qui est assez intéressante parce que en fait c'est le seul builder qui a pris ce parti de mettre en place une toiture avec 2 pans. Ça fait un petit peu maison stéréotype, dans le sens où ça fait très maison traditionnelle, mais en même temps c'est très 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 moderne. Donc ici on a notre toit avec des tuiles un petit peu spéciales, une cheminée. Ici, c'est une chose auquel on va essayer de prêter attention quand on sera à l'intérieur. On a ce qu'on appelle des chiens assis dans la toiture, c'est-à-dire des ouvertures. À pas confondre avec des lucarnes ou des vélux, un chien assis, c'est vraiment une fenêtre avec son propre petit toit. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que en fait, au final, on a vraiment 2 corps de maison. Un premier à gauche et un deuxième à droite, et au milieu on a une sorte de séparation avec une petite cour intérieure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans la visite. Alors première chose, c'est qu'on arrive depuis le trottoir, on a un petit arbre qui est un petit peu tout petit, vraiment petit par rapport à celui qui est devant, mais c'est pas grave, ça, justement, il donne une échelle à la maison en disant l'arbre est à l'échelle de l'espace public, la maison elle a son propre arbre qui a sa propre échelle. Ici, on a un parking situé sous une petite pergola, et ensuite on a un escalier d'entrée qui permet de se différencier justement de l'espace public. On a vraiment tout un tas de, comment dire, je vais dire de hiérarchie, mais non, on va avoir tout plein de petites étapes qui vont permettre en fait de différencier l'espace intime de l'espace public. Donc on a la pergola,
on a cette entrée avec un escalier. Ici, on a même un petit seuil avant de rentrer dans la maison. Là, on a une porte. Donc, l'espace d'accueil avec des porte-manteaux, des choses comme ça pour accrocher ses affaires. Donc, ce que j'aime bien dire dans l'espace d'accueil, c'est que c'est un endroit où on peut dire au revoir à quelqu'un ou justement lui dire bonjour, l'accueillir. Donc là, on est à fond dedans. Je ne vais pas du tout, même si je pense que l'aménagement il est bon, je vais pas forcément en parler parce que je vais vous laisser voir par vous-même. C'est pas la peine de m'extasier pour des choses que vous allez voir tout seul. Et que sûrement Azunoir a développé dans sa vidéo, je vais peut-être plutôt essayer de parler d'espace. Donc ici on reconnaît un petit peu la toiture en sous-face, avec des essais, ça c'est un essai de faux plafond, pour pouvoir lier cette partie avec la toiture comment dire, du toit de pan, et ici la partie centrale avec une petite comment dire, ouverture zénithale. Donc ce qu'on a à cet endroit, assez bizarrement, c'est les lieux les plus intimes, c'est-à-dire qu'on a la salle de bain et les deux chambres. Donc ici, on a la chambre de l'enfant, comme c'était demandé dans le programme du concours. Donc ici, Azunoir a fait un lit superposé avec un PC de gamer, une fenêtre. Ça c'était assez primordial, une fenêtre dans chaque pièce, c'est des choses minimum. L'échelle est fonctionnelle, ça c'est un truc qui est assez intéressant. Et donc on a un lit de place, s'il vous plaît, en hauteur, en médiane. Donc le fait, aussi je vais revenir là-dessus, le fait d'utiliser la hauteur, la mezzanine, quand on n'a pas beaucoup d'espace, ça permet en fait de proposer beaucoup plus de choses dans un endroit qui est assez réduit. Ici, on va rentrer dans la chambre des parents, qui elle est en mezzanine sur le séjour. Donc ça c'est assez intéressant, c'est une bonne manière aussi d'ouvrir l'espace d'une chambre quand elle est assez réduite aussi, donc on a la double hauteur, mais cette fois c'est vraiment, là la mezzanine elle est carrément à l'échelle de la pièce, et on est sur la mezzanine, et voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Ici on a toujours notre surface, et on est passé dans la deuxième partie, vous vous rappelez, on avait la partie qui était à gauche tout à l'heure, voilà, on voit le toit au travers, et ici on a la deuxième partie qui est juste là. Ici, on voit une partie de l'arbre qui est dans la petite cour privative. Là, on se retrouve dans une salle de bain et c'est ici qu'on a notre chien assis, vous voyez, qui nous permet d'avoir une lumière, même si elle est toute petite, dans la salle de bain. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est le coup de la salle de bain qui est elle aussi en mezzanine au-dessus du séjour. Ça, c'est assez intéressant pour les gens qui aiment bien chanter sous la douche, ça fait un peu ambiance dans le séjour. Sinon, il n'y a pas de problème avec l'intimité. L'intimité. Juste éviter de. Si vous allez dans cette maison avec votre bombe de douche, évitez de jouer la bataille d'eau avec vos amis qui sont dans le séjour. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller. Alors ici on a une petite vue sur l'espace d'entrée. On va pouvoir aller dans la partie publique avec le séjour, la cuisine. Donc on a quand même des vues assez intéressantes, assez traversantes. Donc ici, quand on est sur la petite terrasse au final du seuil, on peut voir directement ce qui se passe dans le parc de l'autre côté. Et en fait, plus on va rentrer dans la maison, plus on va avoir des vues sur le parc. Et au contraire, plus on était dans la partie intime, plus on voyait des vues sur la rue. Ici, on a un grand canapé avec une console de jeu. Et donc là, on utilise toute la façade pour pouvoir avoir une vue sur le parc. Donc voilà, on voit les maisons des autres abonnés de l'autre côté. Ici, on a une grande cheminée avec une tête de caribou plantée, une tête trophée de caribou plantée. Alors ça, c'est assez intéressant. J'en parlais dans la maison de à la fois de Lapito et à la fois de Lieutenant 27. Lapito 1, 2, 3, 4, excusez-moi. Là, on a une cheminée à double foyer. Là, l'avantage de la cheminée à double foyer, comme elle est à l'intérieur, on n'a pas de contact entre l'air intérieur et l'air extérieur. Et du coup, bah, on est quand même assez banco. Je vais un peu griffer. Est-ce qu'on peut passer jusqu'à tout en haut? Ah, c'est pas mal, hein. Donc là, le grand classique du Netherrack pour garder le feu dans la cheminée. Ici, on a un petit poteau. Je suis pas sûr qu'il était nécessaire, ce poteau. Je pense que la maison aurait très bien pu survivre tout à fait au fait que ce poteau ne soit pas là. Et d'un point de vue structurel, il est
n'est pas nécessaire puisque la cheminée peut servir elle-même en fait de poteau. Et par contre, peut-être que pour faire un espèce de sas entre la cuisine et le séjour, ça peut avoir une utilité. Azunor, je te laisserai dire dans les commentaires ce que tu voulais faire avec ce poteau. Ici, on a la cuisine un petit peu salle à manger. Donc, ça marche très bien. Quoi. On est en second jour, par contre. Alors, heureusement, on est en second jour de deux sources de lumière. Donc, peut-être que ça aide. Donc, on a le parc ici, la grande façade. Et ici, on a la cour. Peut-être que justement, ça aurait été intéressant. Je regarde si c'est possible de le faire. Je pense que c'était assez possible, oui. Ça aurait été bien, je pense, de mettre une petite ouverture là. Ça aurait payé pas de mine, mais ça aurait été super sympa, je pense. Juste pour éclairer un petit peu la cuisine, le plan de travail. Ici, on a notre petite courette intérieure. Assez idéale pour s'isoler un petit peu de la ville, même du parc, parce qu'il peut y avoir des gens dans le parc. Et voilà, ça nous fait un petit endroit isolé, privé, et à l'extérieur. Ici, on a le garage, donc le garage qui va donner directement sur l'extérieur, sur l'entrée. Alors, Azunoir, ta voiture a un petit peu fondu, parce qu'elle était en neige, et que mon serveur n'a pas... Enfin, je suis pas sur un serveur, je suis sur une partie solo, donc pas de moment. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais sous la main, j'espère que tu aimes bien ta Azucar remasterisée version orange. Ici on a une chaudière, Azunoir aime bien prévoir tout ce qui est équipement de la maison, et ainsi de suite. Et après, la pièce la plus importante de la maison, qui a été placée sous l'escalier, les toilettes. Voilà, ces toilettes-là sont bien là où ils sont. Malgré tout, je pense que vu la taille de la salle de bain qu'il y avait à l'étage, ça aurait pu marcher. Après, quand on a des invités qui sont au rez-de-chaussée, c'est toujours mieux d'avoir des toilettes à disposition plutôt que de leur proposer de monter dans les espaces un peu plus privés et puis de rentrer dans la salle de bain de la famille. Une dernière chose, Azunoir, donc je te fais une petite analyse de ta maison. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est espace, tout ce qui est beaucoup de propositions. Par contre, ce qui est tout à fait ce qui est tout à fait recevable, c'est qu'en fait, pour pouvoir accéder à l'espace public de ta maison, là où on peut recevoir, on est obligé de passer par les espaces intimes. C'est pas un souci, parce que dans tous les cas, on peut fermer des portes et puis on verra pas les chambres des gens, c'est pas un souci. Par contre, je peux te proposer en direct une petite solution qui pourrait être assez drôle, et tu m'en diras ce que tu en penses. Alors, je vais repasser en vue de construction. Le principe, c'est que, en fait, en bidouillant un petit peu la maison, parce que je cherchais le mur mitoyen, donc j'ai bidouillé un petit peu votre maison avec Lieutenant 27 et toi, j'ai tout réparé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu qu'il y avait un espace que tu n'avais pas utilisé dans ta maison, et que je peux te proposer. Donc là, par exemple, ta porte principale, tu aurais pu la mettre ici. Je prends une porte. T'inquiète pas, je vais tout remettre en état après. Ta porte principale, tu aurais pu la mettre ici. Ici, on rentre directement dans la maison. Là, on peut avoir peut-être une entrée. Est-ce que je casse quelque chose? Ici, on peut avoir une entrée ici pour aller dans le garage. Hop. Et là, on peut avoir une entrée pour rentrer. Ça fait beaucoup de fois entrer dans les phrases. Pour entrer dans la maison, on peut avoir différentes manières de faire. Et là, justement, je suis désolé, je préfère casser le radiateur qui est là. Ici, non, c'est pas bon, il faut garder le mur comme ça. Donc, le principe, c'est qu'on rentre par là, et ici, on arrive directement par un espace qui pourrait être un espace d'entrée, finalement, un espace d'accueil, puisqu'on a la cour, et un espace extérieur, qui est assez intéressant. On a tes toilettes. Alors, déboucher directement sur les toilettes en entrant, c'est pas la chose la plus idéale au monde, mais au moins, ça permet de les isoler de la maison. Donc, c'est toujours un bonus. Et là, on arrive directement dans la cuisine, salle à manger, et on arrive dans le séjour. Et on passe à aucun moment dans les parties intimes de ta maison. Et par contre, pour les parties intimes de ta maison, on se retrouve avec une petite terrasse qui te permet de surplomber l'arbre. Donc, je sais pas ce que toi, Azunoir, tu en penses, je sais pas ce que vous, les viewers, en pensez, mais ça fait partie un petit peu de l'analyse de la maison. Je pense qu'elle peut être détournée sans contrarier le principe d'orange. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus, à bientôt sur la chaîne avec l'architecture ludique. Ciao!